à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous me rejoignez, on se retrouve pour la présentation d'un quatrième, je crois, calendrier de l'Avent. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, tout d'abord, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas également à activer les alertes si vous ne voulez pas louper les prochaines sorties de vidéos. Et puis également, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça me fait toujours plaisir et au-delà de ça, ça m'aide beaucoup, beaucoup sur ma chaîne. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour la présentation de ce beau calendrier qui est présenté par la marque Marie Claire. Et comme vous le savez, la marque Marie Claire fait régulièrement sur le site de Sautrendou, à chaque fois j'ai du mal à le dire, des éditions limitées qui sont mais canonissimes et hyper, hyper rentables. Et là, il nous propose pour cette année un magnifique calendrier de l'Avent qui s'intitule, comme vous pouvez le voir, Nuit féerique. Ce calendrier sera disponible à partir du 15 septembre et j'ai également plein d'infos à vous donner. Donc du coup, concernant déjà le prix de ce calendrier, qui est quand même assez gros, il est sous format livre, on va le découvrir après ensemble, je le découvre avec vous. Il sera donc au prix de 69 € et la valeur de ce calendrier est à 359,60 €. Donc vous en aurez pour votre argent, oui oui, même au-delà. Concernant le contenu de ce beau calendrier, il est assez léger mais nous avons des marques canonissimes à l'intérieur. Pour le contenu, nous allons y retrouver 10 soins visage et corps, 2 soins cheveux, j'adore les soins cheveux, 5 produits de maquillage, 3 bijoux et également 4 accessoires mode et déco. Donc dans ce calendrier, il y en aura vraiment pour tous les goûts et je peux vous dire qu'on a de très 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 belles marques que je vais vous citer immédiatement. Glam Glow, Yankee Candle, et oui, vous avez bien entendu, nous avons du Yankee Candle à l'intérieur, ma marque de bougie préférée. Nous avons également la marque Fresh, Tarte, Kiehl's, Velleda, enfin des tas de marques qu'on va découvrir ensemble. Parce que oui, je vais l'unboxer. Donc comme vous pouvez le voir, on a un joli packaging de Noël et ça nous inspire immédiatement le contenu de ce calendrier avec une jolie dame bien maquillée. Et nous avons tout ce décor de Noël avec un petit renne, enfin c'est trop joli, vraiment. Nous avons un joli nœud ici et au dos, alors non, je ne vous montre pas. Car nous avons le contenu du calendrier, donc c'est un calendrier 24 cases. Et waouh, oh, franchement j'adore. Ah vraiment, si vous cherchez un beau calendrier bien rentable, je pense que celui-ci devrait vous plaire. C'est un packaging qui n'est pas réutilisable. C'est parti, on va l'unboxer. Alors il s'ouvre comme ceci. Ouh là là, il y a un petit prospectus à l'intérieur. Nous avons également donc des cases. Je vous montre de plus près. À ouvrir soi-même. Est-ce qu'ils ont pensé à la petite encoche? Oui, pour les doigts. Ça, c'est parfait. Si vous avez une petite encoche pour chaque case pour les doigts, bah là, vous verrez mieux sur la case numéro 14. Et ça, c'est très, très bien. Parce que vous savez quoi? J'ai ouvert le calendrier de l'Avent Yankee Candle. Et autant vous dire que sans encoche, mais c'était la misère. Le voici bien positionné derrière moi. On va l'unboxer. Je vous présente tout d'abord ceci. Merci d'avoir commandé notre calendrier Marie Claire Nuit Féerique. Découvrez notre e-shop sautrendou.com by Marie Claire. Nos box beauté, lifestyle, gourmandes et familles sélectionnées par nos experts magazine. Il y a également des box maman-bébé qui sont mais fantastiques. Produits full size et édition limitée, Marie Claire, Cosmopolitan, Avantage, Cuisine et Vin de France, Magic Maman. Vous avez également 3 € de réduction sur votre prochaine commande de box avec le code promo XMASBOX que je vous mets juste ici. Si ça vous intéresse, bah profitez-en parce que franchement, il y a de très belles box et c'est également une belle idée de cadeau de Noël, une édition limitée à glisser sous le sapin. Découvrez nos 24 marques beauté lifestyle pour une nuit féerique et bah du coup on va les découvrir ensemble. C'est parti, j'ai trop hâte. Alors la marque Marie Claire me fait confiance, je suis une de leurs ambassadrices pour vous présenter certaines éditions limitées calendrier de l'Avent. À chaque fois j'accepte parce que c'est vraiment des éditions que j'adore et si toutefois je n'aime pas,
Je vous le dirai, je ne suis pas du tout formatée dans une petite case pour vous dire que j'aime, si j'aime pas. Si c'est le cas et que j'aime pas, je vous le dirai, comptez sur ma franchise. En tout cas, à première vue, au niveau des marques et de la répartition des produits, ça a l'air de me plaire. Et pour la case numéro 1, alors je pioche un produit que je connais et que j'adore. C'est la marque Glam Glow. Glam Glow, ils font notamment, vous savez, des masques, mais vraiment hyper originaux. C'est une marque qui est en plus assez coûteuse. Alors là, nous avons un format miniature. Ce sera quand même sympa déjà pour bien tester, parce que ça conviendra peut-être pas à tout le monde. Et là, nous avons donc le masque exfoliant anti-imperfection 5 minutes. Et ce truc est vraiment très bien. Il est très efficace. Moi, je le connais, Glam Glow. J'adore cette marque, vraiment. Je trouve que les produits à chaque fois sont hyper originaux. Il me semble qu'ils ont également des masques moussants. Il me semble que c'est une gamme noire que j'ai bien envie de tester d'ailleurs. Mais en tout cas, celui-ci, bah écoutez, on commence très bien. C'est un produit que je connais, que j'affectionne. Pour le format, si vous vous posez la question, on a 15 ml. On a quelques petites notations également au dos. En tant que gommage nettoyant, massez doucement sur la peau humide matin et soir. Vous évitez bien sûr le contour des yeux, vous rincez et vous appliquez ensuite votre crème hydratante habituelle. Pour l'utiliser comme masque visage 5 minutes, vous appliquez une fine couche sur tout le visage ou sur les zones ciblées si nécessaire. Une à deux fois par semaine pour le masque, donc top. Je valide et très 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 contente vraiment du premier produit. Pour la case numéro 2, alors je pioche une marque que je ne connais absolument pas. Si jamais vous la connaissez, eh ben laissez-moi vos commentaires. Ça m'intéresse beaucoup, c'est de la marque Yonka. Yonka, c'est ça, Yonka Paris. Alors c'est une marque française en plus, je ne connais pas du tout, donc c'est bien. Ça va me permettre de découvrir. Lotion Yonka, c'est une brume vivifiante peau sèche. Et là, nous avons un format de 10 ml. Appliquer matin et soir en brumisation après nettoyage. Ne pas introduire dans l'œil, bon, ok, on s'en serait douté. Mais c'est pas mal, c'est un format pchit-pchit. Et la brume, oh, elle est super fine, elle est très aérienne, elle se diffuse bien. Ça c'est bien, alors on commence avec deux bébés formats par contre. Je suis en train de penser, en fait, je vais le remettre dans les cases parce que je sais pas, je pense que je vais le garder pour le mois de décembre. Case numéro 3, alors je pioche ceci, c'est de la marque Burga. Pareil, je connais pas, il y a quelque chose à l'intérieur, hein. On va voir ce que c'est immédiatement ensemble. En tout cas, la pochette, elle est assez qualitative, on dirait une espèce de velours, ben là vous voyez bien. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors là, ça m'intrigue. Je pense à un bijou, parce qu'ils nous ont parlé de bijoux. Et, oh, c'est trop joli! Waouh, j'adore! Regardez-moi ces petites pierres bleues, là. C'est magnifique. En fait, je pense que c'est un truc pour accrocher, vous savez, sur les portables. Alors, moi, sur mon iPhone, eh ben, il est là, je suis bête. Non, c'est un iPhone 11 et je n'ai pas de trucs comme ça. Donc du coup, je vais peut-être l'utiliser en porte-clés. Ah non, accroché à ma voiture. Et oui, ça peut être très joli. Ça, c'est une bonne idée. D'ailleurs, pourquoi ils ont enlevé, je suis en train de penser, les petits bitonios là sur les téléphones. C'est dommage. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est vraiment super joli. Pareil, une marque que je connais pas. Vous avez le petit flocage là de la marque, hein, j'imagine. Et c'est vraiment super mignon, j'aime beaucoup. Alors c'est vraiment un calendrier avec un mélange de tout, hein, comme vous l'avez compris. Je vous l'ai cité en début de vidéo, donc si vous voulez que du make-up, il ne sera pas fait pour vous. Mais moi je trouve que c'est un bon équilibre pour vraiment avoir une surprise un peu différente de chaque univers tous les jours. Pour la case numéro 4, je pioche ceci. C'est également une marque que je connais, de la marque Lanolips. Et là c'est le 101 Ointment. Le super baume à usage multiple. Ah oui, alors ça, vous pouvez autant l'utiliser pour baume pour les lèvres, hein, pour vous hydrater les lèvres, mais pas seulement si vous avez des petites sécheresses cutanées, là, des petites brûlures sur les doigts, partout en fait. Vous pouvez l'utiliser, donc ça, c'est super bien. C'est 100% naturel également, donc ça va faire des heureux.
Sans usage, hydratation extrême pour les lèvres extrêmement sèches, les sécheresses de la peau, les cuticules, les coudes également. C'est vrai que les produits Lanolips, ils sont très épais dans mes souvenirs. On a un format qui fait 15 grammes. C'est fermé, j'en ai déjà en cours, mais c'est vraiment des baumes très 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 épais. Style, vous savez, les beurres, voilà, c'est sous format beurre. C'est vraiment très épais, très efficace et encore une fois, une belle marque. Pour la case numéro 5, nous avons la marque Matisse Paris. Pareil, je connais pas du tout. Encore une découverte. Hein. C'est un petit peu le but d'un calendrier, donc du coup, je suis contente. Et pourtant, j'en propose hein, des box, des calendriers, etc. Là, c'est le produit qui s'intitule Réponse préventive. Et c'est un sérum désaltérant intense en format de 10 ml. Bon, alors ça, je trouve que c'est un petit peu dommage dans le sens où on a eu un produit hydratant juste avant. Par contre, il sent super bon. Ça sent le propre. Alors ça, j'aime bien. Je pense, au vu du packaging, que c'est une marque qui doit être assez onéreuse, que vous pouvez peut-être trouver. Même en pharmacie, ça sent super bon. En fait, ça sent le propre. Ça sent vraiment un petit peu... vous savez, la lessive, ça sent vraiment super bon. Donc ça, en fait, ce sera pas mal à utiliser. Ma peau a déjà bu tout le produit. Ça pénètre super rapidement. J'ai pas du tout d'effet collant. Ça laisse la peau toute douce. Donc ça, j'ai hâte de le tester. Case numéro 6, je pioche une toute petite pochette comme ça. C'est tout fin. Alors là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? 55. Non, j'ai rien d'autre dans mon calendrier. Alors, je sais pas, j'ai une carte avec un QR code. Du coup, je le scannerai et je vous en dirai de mes nouvelles. Mais ça, c'est le genre de truc que j'aime pas dans les calendriers. Si j'achète un calendrier, c'est pas pour avoir un bon de réduction ou un QR code, c'est vraiment pour avoir des produits. Alors après, je vais voir ce que c'est. Mais pour le moment, j'étais contente. Il y a juste cette case-là qui me dérange beaucoup. Case numéro 7, et waouh, c'est de la marque Kiehl's. Crème nuage riche en oméga, précisément. Et nous avons un format qui fait 14 ml. Alors, c'est une marque qui est assez onéreuse. Donc, c'est un format qui est vraiment pas mal pour tester. Et la crème, je la connais, elle est toute bleue, je crois. Enfin, je la connais, je l'ai vue, mais pas encore testée. Bon, alors là, c'est operculé. J'en ai déjà une ouverte que j'ai pas encore testée. Mais la crème est toute bleue à l'intérieur et la marque Kiehl's. Parfait. Case numéro 8. Et là, ça fait une heureuse. Regardez ce que je pioche. De la marque Yankee Candle, je pioche une petite bougie, mais en plus de ça, c'est une senteur que je connais pas. Cerise rose et vanille en format de 37 grammes. Ça sent trop bon. Ah ouais, ça sent trop trop bon. Alors, ça sent plus la cerise. Et après, on a cette odeur de vanille qui vient adoucir. Mais ça sent bien la cerise. Alors là, mais trop contente. Je pense que c'est une nouveauté. En tout cas, je ne la connais pas. Donc du coup, je suis ravie de retrouver cette bougie, cette senteur. Je suis trop contente. Quand j'ai vu Yankee Candle, je me suis dit, ils vont nous mettre une senteur phare. Mais non, pas du tout. Je suis trop contente. Une trop belle découverte. Vous savez à quel point j'aime les bougies et cette marque. Parfait. Case numéro 9, un produit que je connais, qui est très très bien, qui sent très très bon. Sano Leo, on a 6 grammes, c'est un format vente et il s'agit d'un parfum naturel solide que j'avais déjà testé dans le calendrier de l'Avent Beautiful Box de l'année dernière qui était vraiment extra. Donc là, je suis ravie de pouvoir le retrouver à nouveau et ça c'est bien. À glisser voilà, dans le sac à main, ça prend pas de place quand vous oubliez de vous parfumer. Ce truc, vraiment, l'odeur est indescriptible. Mais ça sent bon. Ça sent méga bon. Donc, trop contente vraiment de retrouver ce produit dans le calendrier. Je l'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Case numéro 10. Alors, je pioche un pinceau pour les yeux de la marque Léonard. C'est également Made in France. On a beaucoup de produits français dans ce calendrier. C'est pas mal. Alors, c'est bien, je suis contente. Il est assez doux, c'est soyeux. Il a l'air vraiment très, très bien. Par contre, voilà, moi, dans cette case, j'aurais mis 2-3 pinceaux
Là, pour une grande case comme ça, je trouve que c'est un petit peu léger. Alors après, c'est peut-être une marque assez onéreuse, hein. Je vous mets le prix à l'écran. Peut-être que ceci explique cela. Mais voilà, en tout cas, le pinceau a l'air assez efficace et assez bien. Donc, à tester, on verra bien. Case numéro 11, je pioche ceci, c'est une crème main. Nous retrouvons toujours une crème main dans les calendriers de l'Avent, j'ai l'impression. Donc, en même temps, c'est la saison. Ah, génial, je suis trop contente. Vous savez quoi? C'est à la fleur d'oranger. C'est la marque Compagnie de Provence, crème main hydratante extra pure. Et ce qui est hyper original, c'est que c'est en format dentifrice. C'est trop marrant. Alors, elle est operculée. On a 30 ml, mais je suis hyper intriguée. Alors, oh, je suis trop contente. Enrichie en miel et huile végétale de Provence, cette crème ultra douce hydrate, apaise et aide à protéger la peau des agressions extérieures pour laisser les mains confortables et enveloppées de douceur. Case numéro 12, je pioche un accessoire et nous parler d'accessoires. Et là, je pioche un petit bandana qui est vraiment super mignon. Regardez. Ça, c'est utile bah, tout simplement pour porter en coiffure ou même si vous souhaitez le porter par exemple pour appliquer vos soins, c'est également une très très belle idée. Je vais le passer comme ça, vous allez vous rendre compte. Oh, c'est super joli. Oh, j'adore. Ah ouais, il est vraiment très joli, hein. Regardez. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh, j'aime beaucoup. Ouais. Je pensais pas que ça allait m'aller aussi bien, entre guillemets, mais c'est vrai que ça me va pas trop mal. Ah ouais, j'aime bien. Vous voyez, même avec une coiffure comme ça, là, eh ben c'est canon. Franchement, canon. Je valide. Bon, alors après, c'est vrai, je vous l'accorde, c'est plus printanier, mais bon, ça peut s'adapter, je pense, à toutes les saisons. Et je vois bien un pull tout blanc avec un col montant, là. C'est joli. Case numéro 13, je pioche ceci. C'est de la marque Paula's Choice. Je ne connais pas la marque non plus. Bah alors là, moi qui aime faire des découvertes, je suis servie. Et c'est un exfoliant, hein, 2% pour tout type de peau. On a 30 ml au niveau du format. Ouais, c'est un exfoliant liquide, donc à tester. Alors par contre, les formats, ils restent quand même miniatures hein, dans ce calendrier. Case numéro 14 et je pioche un produit cheveux d'une marque pointue pour les cheveux. Il s'agit de la marque Furterer Paris. C'est une crème de jour nutrition intense pour cheveux très secs. C'est un soin sans rinçage en format de 30 ml. Voici comment il se présente. Et est-ce que je peux vous décrire une odeur? C'est ouvert, donc oui. C'est doux, ouais, c'est assez doux. C'est cocooning, ça sent le spa. Pour la case, je crois qu'on était à la case numéro 14. Pas du tout. Case numéro 15, c'est la marque Satellite. Alors là, je pense que c'était un bijou. On a un joli petit pochon comme ceci. Et à l'intérieur, je pioche. Ouh, ça m'a l'air d'être joli. Oui, c'est même très 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 joli. J'espère que vous allez bien voir à l'écran. Mais regardez, nous avons un collier. Et là, à l'intérieur, le petit cristaux, en fait, il est bleu nuit. Ah ben là, vous voyez, et vous avez plein de micro-paillettes à l'intérieur. Jaune, verte, bleu. C'est super mignon. Oh, et la tache, j'aime beaucoup. Regardez la tache, comment elle se présente. Même la tache, c'est joli, c'est super original. Là, vous savez quoi? Je vais le passer. J'ai un collier. Ouh, c'est trop beau. Oh, j'adore. Waouh. Ouais, alors là, je suis fan. Oh, il est canon. Ouais, très joli. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est quand même assez classe. Ouais, c'est super canon. Ça va bien d'ailleurs avec ce petit haut. Je l'aurais bien gardé autour du cou, mais je pense encore une fois me le garder pour le mois de décembre. Donc du coup, je le remets bien au chaud dans sa petite case. Case numéro 16. Et là, je pioche un produit de la marque Velleda. Je ne le connais pas, celui-ci. C'est à la rose musquée. Ah, trop bien. C'est un contour des yeux lissant. Première ride, préserve la jeunesse de la peau. Ça se présente comme ça. Ah, ça, c'est pas mal du tout. Je connais pas ce produit. Trop bien. 10 ml. Réduit les premières rides et revitalise, défroisse et défatigue également. Donc là, moi, j'en ai bien besoin, surtout autour des yeux.
Donc ça, c'est très bien. Et en plus de ça, je pense que ça doit sentir assez bon. Bon, c'est fermé. Je vois le petit picot là pour percer l'alu ou je sais pas ce que c'est. Mais très bien. On a vraiment une bonne répartition au niveau des produits. Il y a juste ce petit bon qui me dérange. Mais sinon, pour le moment, j'en suis quand même très contente. Pour la case numéro 17, de quoi vous faire des jolis ongles pour les fêtes. C'est de la marque Léa Nature So Bio Éthique. Et c'est un vernis à ongles avec une couleur comme ceci. C'est vraiment un beau rouge. Hein. Regardez. Et là, vous avez le petit bouchon comme ça en bois. C'est vraiment trop mignon. Et au niveau de la brosse, ouais, c'est une brosse lambda. C'est limite un rouge qui tire sur le framboise, hein, j'ai l'impression. Celui-ci va me plaire. Je viens de voir que dans la case numéro 17, j'ai ça qui était tombé au fond. Donc je me demande si c'est pas, vous savez, la petite pochette avec le fameux bon qui était tout seul, si c'est pas le bracelet qui va avec. Et je suis quasiment sûre que c'est ça. Donc ça a glissé, c'est bien dommage parce que du coup je m'étais fait un petit peu une fausse joie, on va dire ça comme ça, alors qu'en fait il y avait un joli bracelet à l'intérieur. C'est pas trop osé, donc je pense que c'est vraiment un bracelet qui conviendra à tous les styles. On n'est pas sur un calendrier de bijoux, donc là c'est plutôt pas mal pour un calendrier comme ça avec des soins, du make-up, des accessoires, des bijoux. Et ben au moins ça conviendra à tous les styles. Alors c'est du doré, moi ça me convient parfaitement comme vous pouvez le voir. J'adore le doré, je suis pas du tout argent, mais du coup je suis sûre que c'est ça. Sinon pour la case numéro 18, nous avons un joli accessoire également. Pour les fêtes, nous avons une pince à cheveux. Je vois Made in France également. Donc, je vois qu'ils ont fait vraiment attention à toute la sélection des produits. Et nous avons une pince avec plein de jolis cristaux. Et ça, vous pouvez être vraiment sûr que je vais l'utiliser. C'est la marque Valérie Valentine Paris. Donc, vraiment, ils ont sélectionné de jolies marques françaises. Et ouais, elle est très jolie. Donc, elle est noire avec des petits cristaux. Je dirais qu'il tire vers le jaune, c'est très joli, ça très utile également. Pour la case numéro 19, nous avons vraiment un joli format et une très belle marque, je viens de voir. C'est de la marque Ole Henriksen et nous avons, qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien, j'adore ce type de produit, si vous me suivez. C'est un nettoyant pour le visage, 60 ml, eau de fruits, d'orange et PHA. Donc au niveau de l'odeur, je trouve qu'on est pile dans le thème de Noël. L'odeur de l'orange, ça me rappelle Noël, moi. Et en plus de ça, bah, la marque est canon. Le produit, j'adore. Le format, trop beau. Donc trop contente de cette case aussi. Case numéro 20 est là, une marque que j'adore aussi. Moi, j'ai un spray à cheveux. C'est la marque Bumble & Bumble. Et c'est la gamme que j'ai. C'est la BB Hair Dressers. Une huile invisible, c'est un masque, hydrate et nourrit instantanément les cheveux secs. Alors, c'est une huile ou un masque? Il est marqué les deux. Ah, après shampoing. Donc, c'est un masque, l'odeur, mais j'adore. Ça sent un peu la noix de coco, je crois. Ouais, c'est ça. Ça sent la noix de coco, clairement. J'adore ce truc, cette marque, cette gamme. Et le masque, je le connais pas, je crois. Après shampoing, il faut laisser poser 3 à 5 minutes et rincer. Donc là, top, trop contente. On a 60 ml, donc ça, c'est pas mal pour tester. Pour la case numéro 21, je pioche un petit pochon. Il est noté Baume, donc ça doit être la marque. Et c'est un bijou, je pense que c'est une bague à vue d'œil, en tout cas au toucher. J'ai également une petite carte, donc c'est ça. Hein. L'autre case, la 6 je crois, c'était donc avec un petit bracelet. Donc là, on a une petite carte Boom Girl. Découvrez notre collection sur notre site boom-paris.com. Votre bijou est en acier inoxydable et il peut vous accompagner dans votre quotidien. Donc c'est vraiment un bijou que vous allez pouvoir utiliser quotidiennement. Comme ils le disent, ça résiste à l'eau, aux crèmes, etc. Donc aucun souci. Et waouh, elle est trop belle. Alors, c'est une bague réglable, donc ça déjà c'est très bien, ça conviendra à tout le monde et elle est tout simplement mais magnifique. Je vous montre ça de plus près, vous voyez, on a un espèce de fond, ouais c'est ça, c'est bleu nuit avec des micro paillettes toutes fines. Oh,
Oh, c'est trop beau, hein. Vraiment, j'adore. Alors moi, j'ai des petits boudins à la place des doigts, mais voyons voir. Waouh, oh, j'aime trop. Ah, je suis fan de la bague. Vous savez que j'adore les bijoux, et là, vraiment, j'aime beaucoup, hein. Qu'est-ce que c'est joli. Et ça, on reste dans l'esprit vraiment noélique, avec toutes ces paillettes, ça brille, tout ce qu'on aime. Case numéro 22, et nous avons un make-up et pas des moindres, c'est de la marque Tarte. Et celui-ci, je le connais et je l'aime beaucoup. Si vous suivez mes vidéos et la vidéo produit fini, c'est un mascara que moi j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisé, qui est vraiment très bien comparé au bac d'Albanga hein, que je porte d'ailleurs aujourd'hui, qui fait des cils de folie. Et lui est tout aussi bien. Donc c'est un petit format, mais c'est un format qui se vend. Et c'est le mascara Maneser. C'est un mascara noir, mascara voluptueux. On a 4,5 ml. La brosse est comme ceci. En picot dur. Alors moi, c'est un mascara que j'ai déjà ouvert là actuellement, donc je vais pas en réouvrir un. Il est comme ceci. J'adore le packaging comme ça là, trop beau. Donc super, vraiment très très bien cette case. Pour la case numéro 23, les collectionneuses de miniatures de parfums et collectionneurs d'ailleurs vont être ravis parce que nous avons une miniature du parfum Girl Rochas Paris, c'est une eau de toilette, pardon, en format de 4,5 ml. Et ça, vous savez quoi? C'est miniature de parfum, c'est pas un échantillon, un petit comme ça en tube, ça a vraiment une certaine valeur. Et vous pouvez retrouver ce genre de parfums des fois qui sont vendus à des fortunes, pas possible pour le nombre de millilitres. Mais il y a vraiment des collectionneurs sur ce type de parfum. Donc ça, c'est une belle idée, puis ça vous permettra également de tester le parfum. Moi, c'est un parfum que je connais et l'odeur est vraiment très sympa. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup recevoir, si vous me suivez, des parfums dans les box, les calendriers, etc. Donc moi, je suis contente, perso. Au vu de la case numéro 24, la dernière case, je peux donc vous confirmer que la case avec juste la petite pochette et le QR code était en fait avec le bracelet. Donc je suis rassurée parce que c'était vraiment ce qui me dérangeait beaucoup dans ce calendrier. Donc très contente. Pour la case numéro 24, la dernière de ce calendrier, je pioche ceci. C'est la marque Fraîche, une très belle marque. Je la connais. Enfin, je connais plutôt ce produit. C'est une crème pour le visage à la rose qui sent très très bon. C'est une rose fraîche et délicate, c'est pas une rose mémérisante. Crème visage hydratation intense à la rose, rose de Damas fortifiante et duo d'acide hyaluronique. Donc formulée pour offrir une hydratation intense, la crème visage emblématique de Fraîche contient de l'extrait de rose de Damas, un ingrédient originaire de la vallée des roses en Bulgarie qui fortifie et protège de la déshydratation. Donc vous appliquez quotidiennement matin et soir sur le visage et également le coup. Beau produit pour cette dernière case. Et voici donc pour la présentation du calendrier de l'Avent Marie-Claire Nuit Féerique. Pour vous donner mon avis, alors le packaging n'est certes pas réutilisable, mais par contre, il est assez solide et les produits sont faciles à enlever. À tel point que le bracelet a glissé, donc ça c'est un petit peu dommage. Concernant le contenu, j'aime beaucoup la diversité des produits. On a des produits maison, bijoux, des produits soins, du make-up. Il est assez bien réparti, je trouve. J'aurais mis quand même un ou deux produits make-up en plus pour un calendrier de l'Avent, mais je trouve très très bien équilibré. Ça, c'est vraiment personnel. Ce que j'aime moins dans ce calendrier, c'est la case avec le pinceau. J'en aurais mis deux, trois. Donc, je trouve que c'est un petit peu léger pour une grande case comme ça et en plus, ça glisse à l'intérieur. Et également le petit bandeau, il est vraiment très 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 joli, mais j'aurais mis quelque chose d'un peu plus noélique. Là, c'est plus printanier, je trouve. Noélique, féerique, comme le nom du calendrier l'indique. Peut-être un bandeau, vous voyez, doré avec des fils dorés, noir avec des fils dorés. Voilà, c'est exactement ce que j'aurais vu. Sinon, ce calendrier, vraiment, il est très très bien. Je trouve qu'on a quand même une belle rentabilité également. Les produits, bah, j'aime bien. Les marques, de belles découvertes. Donc, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous allez craquer pour ce calendrier,
pour vous ou pour offrir. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.